Donc là, vu la longueur ici, je pense que ce qui manque tout simplement, c'est un crochet ici. Alors voilà mon kit de réparation vraiment pas cher que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous mets ces références dans la description sous la vidéo. Faut simplement que ça, là, ça vient de s'accrocher ici dans cet anneau. Là, l'anneau, il est en bon état, c'est bien fermé. Par contre, à l'autre extrémité, le maillon, il a pris un peu cher. Et il est déjà plus ouvert. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est prendre un fermoir. J'ouvre un peu plus. Une deuxième petite pince, ce serait pas trop. Et là, je referme. Au niveau des couleurs, ça jure pas. Au niveau de la taille, je trouve que ça passe. C'est pas trop, ça ne jure pas trop non plus. Le petit problème, c'est que on l'a essayé sur le bracelet de ma compagne. Le problème, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Elle l'a jamais porté. Il est beaucoup trop grand. Donc là, vous voyez, je l'ai fixé approximativement pour pouvoir le réduire. Cette plume, elle a l'air cassée. Donc, ça tombe bien. On va prendre cette plume, on va la mettre là. On aura une plume de rechange. Et donc je vais déplacer l'anneau qui est ici. Il faut qu'il vienne là. Donc je vais enlever ce bout de chaîne. Je vais peut-être laisser 3-4 maillons ici. Et une fois que j'aurai raccourci, il va peut-être falloir que je change les plumes de position de manière à ce qu'elles restent à équidistance et qu'il n'y en ait pas trop. Je vais enlever l'anneau porteur puisque ça va me permettre tout à l'heure, quand j'aurai terminé mon raccourcissement, de le repositionner au bon endroit. Nickel. Alors avant de le paumer celui-là, je vais le remettre.
Maintenant, faut que je mette un gros anneau ici parce que on met pas le fer noir directement sur un petit maillon. Ok, donc maintenant, je pense que trois plumes, ça sera suffisant parce que quatre, ça commence à faire peut-être un peu gonflé. Donc je vais le mettre ici. Bon, c'est pas une pompe à gasoil, hein, c'est pas non plus là. Aussi précis que si je mettais un véhicule en orbite. Et voilà. Alors désolé pour le bruit de fond assez désagréable, il s'agit de ma ventilation mécanique contrôlée qui manifestement fait plus de bruit que ce à quoi je m'attendais. J'essaierai d'atténuer ce bruit de fond en traitement post-production avec le logiciel Audacity, mais je suis pas certain du résultat. Ma modèle a testé le bracelet retaillé, elle a validé temporairement, elle a dit que, enfin, on est tombé d'accord sur le fait qu'il faudrait l'essayer grandeur nature lors de notre prochaine sortie en ville, notre prochain repas avec des amis. Assorti à une tenue adéquate. Entre-temps, elle m'a dit que j'avais le droit de rester en couple avec elle et de rester habiter avec elle. Donc, je suis rassuré. Si vous aimez les réparations, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous comprenez ma démarche et que vous aimez ce partage d'informations, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Comme ça me permet de savoir si ça vous a plu et de contribuer au référencement correct de cette vidéo sur YouTube. Sachez que j'ai regroupé tous les précédents épisodes de cette chaîne YouTube qui concernent ce genre de réparation d'objets du quotidien dans une playlist qui s'appelle Faire des économies. Vous la trouverez dans la description. Je vous la mets en fiche et elle va s'afficher à la fin. Et si ça vous intéresse de recevoir les prochains épisodes sur le sujet réparer les objets du quotidien, que vous n'êtes pas un grand fanat de YouTube, vous pouvez recevoir les prochains épisodes gratuitement par mail. Il y a un formulaire gratuit que je vous mets dans la description. Vous me mettez un surnom, un pseudo ou votre vrai prénom. De toute façon, je m'en fiche. Juste votre adresse email et je vous enverrai les prochains tutoriels. Bien sûr, c'est gratuit. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand et c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données.